En 1986, plusieurs labels indépendants te voulaient développer diversité dans la musique dans le pays de la France. Supporter indépendance musicale et puis créativité et liberté dans la production. Ils ont créé une société qui relie SPPF. En algade, ensemble, qui gens ou même ou capable d'entrer dans la société ça. Bonjour tout le monde, non pas c'est Bello Haïti et c'est toujours un plaisir pour échanger avec nous deux petits mots sur un sujet qui est important. Sujet nous pour aujourd'hui, c'est toujours dans quatre doigts d'auteur et aujourd'hui à nous parler tout processus pour inscrire dans SPPF. SPPF, Société Civile des Producteurs de Phonogrammes de France, c'est en 1986, plusieurs labels indépendants voulaient développer diversité dans la musique la France, supporter l'indépendance musicale et puis encourager créativité et puis liberté de production. Grâce à l'engagement, ils étaient capables de créer conditions pour tout label indépendant qui aimait à contrôler, gérer objectif droit voisin pour producteur. Mission société ça lui-même c'est d'abord j'aime se dire développer diversité musicale donc SPPF te gain comme objectif pour favoriser diversité dans musique, supporter différents genres musique, différents sons et puis encourager production musique qui différent. Donc dans supporter indépendance musicale là donc il travaille pour supporter liberté production musicale et puis permettre producteur indépendant yo kenbe contrôle sous création yo ak distribution musicale. Donc SPPF recevoir l'argent pour droit voisin qui sorti dans diffusion musique ak phonogramme dans différents côtés tant qu'on dans radio dans télévision etc sur internet et puis li reparti l'argent ça bay producteur yo producteur musical et surtout producteur indépendant. N'importe producteur phonogramme ou soit vidéogramme français ou bien étranger, une personne physique ou bien une personne morale ou capable vinn membre SPPF. Eh bien n'importe agent tout ou soit un cessionnaire de droits de producteur. Parce que ça qui arrive que c'est pas où tu es producteur au départ, mais où tu travailles pour une maison de production, eh bien, dès que tu as un mandat pour ça, ou une licence qui autorise exercer profession si là, sous droit ça, eh bien, tu es capable d'inscrire dans SPPF. Tu es capable de prouver que tu es producteur sous 5 musiques différentes, ça, c'est une condition qu'on remplit pour une même société. Ça. Je vais rappeler nous bien. Que producteur nous te fait toute une émission sur ça parce que assez souvent nous gagnons de confusion entre producteur est-ce que c'est ça ou les producteurs aux États-Unis est-ce que c'est nèg qui fait beat là est-ce que nèg on producteur c'est nécessairement un musicien ou bien un artiste nous te fait toute une émission même si me fait à titre de rappel vous me dites nous producteur c'est monde qui finance activité là. C'est pas gagné pour louer avec talent, pas gagné pour louer avec aucune compétence, c'est monde qui d'accord mettez c'est monde qui a l'origine de nos projets, c'est monde qui mettez cob des projets ça c'est lui-même qui producteur. Donc pour nous fini, n'a dou que producteur qui associé à seulement mandé SPPF pour gérer droit li gagner pour payer fair remuneration and private copywriting pour phonogramme ou bien vidéogramme musique li gen droit déclarer nan société li. Pour participer, n'importe producteur phonogramme ak vidéogramme doit rempli mettez initial et puis signer déclaration adhésion ak loi SPPF la yo avec deux mandats obligatoires. Ça c'est une condition sine qua non pour déjà pour capable accepter. Alors, déclaration phonogramme et vidéogramme musique dans société SPPF là, ensemble avec déclaration vente physique yo, ou bien vente digitale yo, yo constitue une formalité qu'on doit remplir le plus vite que possible.
Sans quoi déclaration SPPF là pas capable faire ça le proposer pour le faire. Ça veut dire le pas capable chercher côté l'argent y est et permettre lui faire calcul. C'est peut-être ça ou même comme producteur ou gain pour faire déclaration ça le plus vite que possible. Qui document qui obligatoire. Déjà ou besoin papier qui prouve existence entreprise ou papier légal, ça veut dire en tant que producteur ou gon patente ou gon papier qui dit ça par exemple dans pays la France yo mandé pour ban un extrait de KBIS qui sorti dans registre commercial compagnie hein? Ou besoin yon photocopie carte d'identité ou bien passeport qui valide. Donc ça c'est pour moun, c'est pas pour entreprise. Ou a besoin transférer 153 euros qui représentait partie producteur dans capital là les SPPF d'accord accepto. Ou a besoin bay ribou qui c'est coordonné banquier pau pour les ou pral gain pour yo payer et puis déclaration 5 enregistrement yo nous t'ai parlé de ça déjà donc 5 enregistrement que ce soit phonogramme ou bien vidéo musique. Ou a besoin copie contrat artiste là à contrat distribution physique ou bien digital là ou soit contrat licence pour phonogramme à copie contrat distribution contrat production pardon en pour vidéo musique là yo. Ou a besoin ba ça pour capable inscrire en tant que producteur dans SCPF et puis à partir du moment que yo fin accepter yo croiser pied yo va chercher l'argent pour voter pour vous, l'argent qui revient de droit. Moi espérer que vous t'ai apprendre yon bagay en plus dans vidéo ça, si vous t'ai apprécié ou konn tout ça pour faire déjà, remèl, partagez, commentez, abonnez à chaîne YouTube Bello Haïtien pour pas rater prochain épisode là et puis c'est une bonne façon pour encourager travail moi, me rappeler ça. N'a pas bientôt dans l'autre vidéo sous même sujet. Si non pas c'est Bello et c'est toujours un plaisir pour échanger deux petits mots avec nous. Merci en pile.